Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce café littéraire organisé ici au LGL et sous le cadre donc du projet d'établissement LGL Common. Comme vous venez de voir à l'instant, un petit film du voyage éducatif que quelques élèves de deuxième ont fait cette année et où ils ont pu faire la rencontre de Monsieur Paul Sobol. Monsieur Paul Sobol, un rescapé des camps, un passeur de mémoire qui va vous raconter aujourd'hui son histoire. Bonjour, vous allez bien? Moi aussi. Alors voilà, j'ai l'habitude de commencer par lire un petit texte. Vous m'entendez bien, oui? Un petit texte pour vous dire la raison pour laquelle je viens vous parler. Témoigner, ce n'est pas raconter une histoire. C'est vous raconter ma vie. Pour moi, ce n'est pas facile de revivre cela. Mais je vous considère tous comme des psys. Pour moi, c'est plus facile. Je ne le garde pas en moi. Je le sors et je parle. Je ne suis pas une vedette. Je ne suis pas venu faire un show. Je ne suis pas un héros, mais une victime du régime nazi. Alors je vous demande, sincèrement, et je vous le demande, de ne pas m'applaudir après mon témoignage. Je me souviens, quand j'avais votre âge, je n'avais que votre âge. Aucune comparaison avec aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette technologie dans laquelle vous vivez et dont vous profitez. Je profite aussi, pourquoi pas. Quand moi j'avais votre âge, il n'y avait pas de télévision. Ce n'était pas une question d'argent, mais ça n'avait pas été inventé. Il n'y avait pas non plus de GSM, de smartphone aujourd'hui, bien sûr, mais ça n'avait pas été inventé, ni de tablette, pas d'ordinateur, ni d'iPad, je ne sais pas tout quoi. Ni même de Coca-Cola ou de McDo. Aux États-Unis, oui. Mais en Europe, pas. Ça n'existait pas ou n'avait pas été inventé. Alors, comment vous faire comprendre ce que c'était cette époque, quand moi j'avais votre âge? C'est mon problème. Voyez-vous, je dois essayer de vous faire comprendre ce qui s'est passé il y a 70 ans. Ce n'est pas évident, voyez-vous. Parce que vous vivez actuellement dans un monde qui bouge très vite, mais qui est informatisé, etc. Alors, depuis 87 que je fais des témoignages dans les écoles, j'ai compris que ça ne servait à rien de vous bourrer le crâne de trucs que de toute façon vous allez oublier. Et moi, je veux que vous compreniez ce que cette époque a été, parce qu'elle a encore beaucoup d'influence sur notre vie d'aujourd'hui. Alors, voyez-vous, depuis 87 que je parle, dans les écoles, j'ai mis au point une méthode de communication pour les jeunes, pour qu'ils comprennent. Parce que c'est ça mon problème, c'est que vous compreniez. Bah, oui, bien sûr, à l'école, on en parle. Etc. Non, que vous compreniez ce que cette époque a été, parce que je vous dis, elle a beaucoup d'influence sur notre vie d'aujourd'hui. Alors, voyez-vous, je fais des expériences avec les jeunes, et ça fonctionne. Parce qu'ils m'écrivent après, ils m'envoient des mails, etc., parce que je suis moderne aussi, hein, j'ai un ordinateur, il ne faut pas croire. Hein. Donc, je suis en contact avec les jeunes. Je sais ce qu'ils pensent après mon témoignage. Et c'est ça qui est important. Alors, voyez-vous, je vais faire cette expérience avec vous aussi. Je vais vous demander à tous, mais pour tout le monde, hein, c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Faites cette expérience de fermer les yeux pendant quelques minutes. Pourquoi? Mais comme ça, ce vieux bonhomme qui est devant vous disparaît. Vous savez, je suis un vieux bonhomme. Hein. Je vais avoir en juin maintenant 91 ans. C'est quand même un vieux bonhomme pour vous. Hein. Mais non, moi, pour moi, je ne suis pas si vieux que ça, vous savez. Je n'ai que 90, 91 ans. Donc, je veux dire que, en fermant les yeux, vous ne me voyez plus. Mais vous avez des oreilles et vous avez de l'imagination. Donc, vous allez pouvoir vous imaginer que c'est un jeune de votre âge qui vous parle. Donc, la communication va être beaucoup plus facile, bien sûr, de jeune à jeune.
pas de vieux à jeunes. Donc, je vous demande à tous de fermer les yeux. Et je ne commencerai pas si tout le monde n'a pas fermé ses yeux. Voilà. Je vous regarde. Hein. Je veux que vous faites cette expérience. Qu'est-ce que c'est ? Moi, je viens de Bruxelles spécialement pour vous parler. Vous vous rendez compte, j'ai fait 3 heures de train. Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Je vous demande simplement de fermer les yeux. C'est tout. C'est pas tellement difficile. Hein. D'autant plus que c'est pour vous de fermer les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Je te demande gentiment, fermez les yeux. Fermez les yeux. C'est pour vous. C'est pour que vous écoutiez ma voix simplement. Et je commence. Je m'appelle Paul Sobol. Je suis né à Paris le 26 juin 1926. Dans une famille de gens très simples. Mon père venait de Varsovie. Il a quitté sa famille en 1920. Et puis, il a vécu à Paris pour mieux gagner sa vie. Là, il a rencontré ma maman, qui venait d'un petit village russe. Puis, ils se sont mariés, ils ont fait des gosses. C'est comme ça que je suis né à Paris. Puis, mon père a décidé d'aller vivre à Bruxelles. Pourquoi ? Pour mieux gagner sa vie, c'est tout. Et c'est comme ça que j'ai vécu toute ma prime jeunesse à Bruxelles, comme un bon petit Bruxellois. Parce que, voyez-vous, je savais que j'étais dans une famille juive, mais comme on n'était pas religieux du tout. Au contraire, mon père était très socialiste. Vous savez, un socialiste de l'époque, hein, pas un socialiste d'aujourd'hui. Hein. Donc, il est très, très socialiste et très actif dans le mouvement syndical, etc. Donc, moi, j'ai même un petit louveteau socialiste. C'est pour vous dire que être juif, pour moi, ça n'avait absolument aucune importance. Et comme on parlait français venant de France, on s'est très vite intégré. Et c'est comme ça que très vite, je suis arrivé en 1940. En 40, un événement, la guerre. Les Allemands occupent la Belgique, le Luxembourg aussi, bien sûr, mais enfin, et on s'installe dans cette occupation. Au début, ils les ont laissés tranquilles. Bon, on a continué à vivre normalement. Et en 40, voyez-vous, pour moi, c'était autre chose, hein, parce que ce n'était pas seulement la guerre, mais j'avais 14 ans. Et alors, mon papa m'appelle, me dit, voilà, maintenant, tu as 14 ans, tu es un homme. S'il le dit, ça doit être vrai, mais enfin, bon. Et il dit, voilà, maintenant, tu vas aller travailler, parce que tu comprends, un deuxième salaire, ça va mettre du beurre dans les épines pour la famille. La famille, c'était quoi ? Mes parents, moi, j'étais l'aîné, j'avais une sœur 2 ans plus jeune et un petit frère 4 ans plus jeune. On était 5. Mais moi, vous savez, mon père travaillait dans le milieu de la fourrure, il n'était pas fourreur, il préparait les peaux pour les fourreurs. Et puis il a dit, vous savez, il m'a dit, c'était un beau métier, hein, c'était un métier d'avenir. Mais moi, je n'aimais pas la fourrure. Mais vous savez, à cette époque-là, quand le père disait quelque chose, il fallait obéir. Et j'ai été obligé d'aller travailler à 14 ans. Bon, je me suis fait foutre à la porte partout. Après un an, mon père me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire finalement ? Je me dis, voilà, mais écoute, comme mon père était donc très actif dans le cinéma socialiste, avec la guerre, il est rentré dans une cellule de presse clandestine, etc. Je lui ai dit, mais enfin, j'ai appris qu'il y a des réseaux qui amenaient les jeunes en Angleterre pour continuer la guerre. Je veux aller en Angleterre, je veux devenir aviateur. Il s'est mis à rigoler, il s'est dit, mais enfin, tu n'as que 15 ans, tu crois qu'on va t'accepter comme ça ? Je lui ai dit, bon, ben alors écoutez, il y a à Bruxelles une école, les arts et métiers. Il y a une section de mécanique. Je vais m'inscrire dans cette section de mécanique. Et quand j'aurai 16 ans, tu me laisseras partir. Oui, OK. Et puis voilà, je suis là avec des nouveaux copains, etc. Vous savez, quand vous avez 16, 17 ans, 15, est-ce que vous pensez à la guerre ? Mais pas du tout. Vous pensez à votre âge, à vivre votre vie de jeune. Mais quand je dis nous, on ne pensait pas à la guerre. Les nazis pensaient à nous. Quand je dis nous, ce sont les juifs. Pour eux, voyez-vous, que vous soyez religieux ou pas, etc., ça n'avait absolument aucune importance. Vous étiez juif. Et alors, bon, mon père, il n'a plus jamais retourné dans sa famille. Mais il avait des nouvelles qui se passaient là-bas, dans les pays de l'Est, en Pologne, etc. Des ghettos, des persécutions. Il s'est dit, oh là là, si ça arrive en Belgique, on est très mal pris. Il faut qu'on disparaisse. Alors, disparaître, comment disparaître ? Ceux qui connaissent un petit peu les grandes villes, notamment Bruxelles, en 40-45, c'était vraiment différent d'aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, il y a tout ce trafic, etc. Donc, à l'époque, il n'y avait rien. Et Bruxelles est constituée du bas de la ville, avec les gares, etc. C'est très populaire, c'est où on habitait. On n'était pas propriétaire, donc on était locataire.
Et puis, il y a le haut de la ville, avec les beaux magasins, etc. Et là, il avait les clients de mon père. Et mon père a obtenu 2 pièces dans une petite rue très calme du haut de la ville. Et un beau jour, on a pris les quelques meubles qu'on avait sur des charrettes à bancs, parce qu'il n'y avait pas de véhicule de camion comme aujourd'hui. Et on a disparu. Vous savez, vivre clandestinement, ça demande une certaine rigueur. Je ne pouvais pas dire à mes amis, voilà, je vais aller me cacher. Hein. Non, je devais disparaître. Alors bon, on a vécu à 5 dans 2 grandes pièces. Mais moi, je n'allais pas rester confiné dans ces grandes pièces. J'étais très sportif à l'époque. Et alors, il y avait un bâtiment qui m'intéressait à Bruxelles. Et il y avait au rez-de-chaussée une piste de patinage à glace. Au premier niveau, il y avait un bassin de natation. Au deuxième niveau, il y avait une salle de gymnastique. Et comme j'avais les vœux au papier d'étudiant, une fausse carte d'identité, etc., ben, j'allais dans cette salle de gymnastique et je passais mes journées à faire du sport. Et le dimanche était consacré, bien sûr, au patinage à glace. Et là, un beau jour, je rencontre un groupe de jeunes de mon âge, 16-17 ans, tous très bons catholiques d'ailleurs, parce qu'ils étaient en pension, ils rentraient que le samedi. Et le dimanche, ils venaient patiner. Ils m'acceptent dans le groupe, mais bien sûr, ils m'ont connu que sous mon faux nom. Hein. Et là, il y avait des filles et des garçons, il y avait une jeune fille qui était seule, moi j'étais seul aussi. Bon, on s'est rapprochés l'un de l'autre, on a formé un petit couple dans le groupe, mais vous savez, à cette époque-là, c'était très fleur bleue, hein. C'est pas comme aujourd'hui, hein. J'ai appris qu'à 14 ans, il y a déjà des gens qui s'envoient en l'air. Non, c'était très fleur bleue. Et avec ces jeunes, on voulait vivre notre vie de jeunes, malgré la guerre. On allait danser dans des caves sur la musique américaine qui rentrait en fraude. Et moi, je savais dessiner. J'avais jamais appris, mais je savais dessiner. Donc, j'ai eu l'idée de faire fabriquer par les filles de ce groupe des sacs en toile de jute. Pourquoi un sac de jute? Puisque le cuir était rationné. Je peignais dessus des villages, des fleurs. On allait vendre ça au profit de tout le groupe. Et comme ça, gentiment, on arrive jusqu'en 1944. Le 6 juin 1944, un événement, le débarquement en Normandie. Et ce débarquement réussit. Et nous qui étions cachés depuis 2 ans, vous savez, on avait une petite radio, on suivait ce débarquement. Et on s'est dit, oh là là, s'ils arrivaient jusqu'à Bruxelles, on pourrait sortir librement. Malheureusement, le 13 juin 1944, en pleine nuit, la Gestapo entoure la petite maison où on est caché et elle arrête toute la famille. Nous avons été dénoncés, on ne sait pas par qui. Mais ils nous surveillaient déjà depuis un jour ou deux et ils savaient que nous étions réunis, la famille était réunie. Alors, ils nous ont pris, ils nous ont pas brutalisés spécialement. Bon, on a pu faire chacun un petit paquet, une petite valise avec quelques effets. Et puis, on a été amenés dans la Gestapo, dans les caves. Puis, le lendemain, on a été amenés en camion à Malines. Il y avait une caserne, la caserne d'Ossin. C'était le lieu de rassemblement avant la déportation. Mais on nous disait toujours, mais vous restez en famille, hein. Vous allez travailler dans les pays de l'Est ou en Allemagne. Bon, on était là, il y avait déjà plus d'un millier de personnes arrêtées. On ne le brutalisait pas spécialement, parce que vous savez, depuis le deuxième débarquement en Normandie, les Allemands, ils avaient des problèmes logistiques. Hein, d'abord, ils avaient le front de l'Est, mais maintenant, ils avaient le front de l'Ouest, etc. Donc, je veux dire qu'on s'est dit, bon, comme ils ont des problèmes de logistique, peut-être qu'on ne partira plus. Le 26 juin 1944, c'est mon anniversaire. Mon père est appelé au bureau et revient avec un petit colis. Il me dit, c'est pour toi, je regarde. Mais oui, c'était pour moi, c'était de mon amie Nelly. Ben, depuis 2 ans qu'on était ensemble, bon, très fleur bleue, hein, on se tenait par la main, on se donnait des becos, puis c'était tout. Mais enfin, on s'aimait bien, quoi. Mais on ne se voyait que le dimanche. Un dimanche, ne me voyant pas, elle ne s'est pas inquiétée. Le dimanche d'après, elle s'est dit, ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Et je me faisais passer dans ce groupe comme un réfractaire au travail. Parce qu'il y en avait un autre dans ce groupe aussi qui était réfractaire. Donc, elle ne s'inquiétait pas plus que ça. Mais puis là, et alors, bon, elle a questionné des gens autour de notre habitation. Elle a appris qu'une famille juive avait été arrêtée, Gestapo, et puis amenée à Malines. Alors, pour mon anniversaire,
Elle a cru pouvoir me voir, ma interdiction. Elle a pu remettre un petit colis, qui a été ouvert, bien sûr. Et puis, quand je l'ai reçu, il y avait quelques fruits, un cake, mais surtout, tout à fait au fond de la boîte, il y avait une petite photo d'elle. Et pour moi, c'était extraordinaire de savoir qu'à l'extérieur de cette prison, quelqu'un pensait à moi. Et puis bon, on avait toujours l'avance des alliés, ils se rapprochaient de Paris. On s'est dit, ah, maintenant, on est tranquille, hein, on ne partira plus. Ouais. Le 31 juillet 1944, rassemblement dans la cour de la caserne, ils commencent à appeler des noms et toute ma famille est désignée pour le dernier transport de Belgique, le 26e. Bon, on a pu prendre chacun son petit paquet, c'est les aliments qu'on avait. On a été emmenés, il y avait un train de wagons de marchandises. On nous a embarqués là-dedans, à 50 ou 60 par wagon, avec nos petites valises, avec un seau d'eau pour les boissons, avec un cube pour les besoins. Et puis, on était 700 ou 800 dans ce transport. Quand on a été tous chargés, ils ont fermé les portes, et puis alors le train est parti. Moi, je suis dans ce wagon, j'ai un papier, un crayon, et j'écris un petit mot à mon ami. Je dis, cher Nelly, voilà, nous sommes déportés vers les pays de l'Est, nous ne savons pas où, mais nous sommes pleins de courage, nous reviendrons. Et puis, je mets son nom et son adresse. Et ce papier, voyez-vous, je le laisse tomber entre les fentes du plancher de ce wagon, et ce papier tombe entre les rails. Et puis, figurez-vous qu'il y avait un ouvrier qui travaillait sur cette voie. Il voit un papier, il voit une adresse, le met dans une enveloppe, met des timbres. Et quand je suis rentré d'Allemagne, j'ai appris que Nelly avait reçu mon message. Et moi, j'avais sa petite photo. Bon, en regardant par la lucarne du wagon, nous avons appris que nous avions quitté la Belgique. On était rentré en Allemagne. Puis on avait quitté l'Allemagne, on était rentré en Pologne. On ne savait pas où on allait. La troisième nuit, le train s'arrête définitivement. Les portes du wagon s'ouvrent. Je suis ébloui par les projecteurs et puis j'entends des voix gutturales, Schnell et Rose. Alors bon, vous savez, quand vous avez 700 ou 800 personnes qui doivent débarquer quand même d'un transport très peu confortable, ça fait comme un troupeau. Hein. Et on est fait comprendre qu'on doit laisser notre bagage, notre petit sac, tout ce qu'on avait au pied de ce wagon. Et puis on nous pousse en avant. Et puis je remarque qu'il y a quelque chose qui se passe en avant de ce troupeau. Les SS sont là. Et puis très rapidement, ils séparent les femmes des hommes. Ils mettent toutes les femmes à gauche, tous les hommes à droite. Mais ça se fait très, 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 très vite. Et pour moi, tout d'un coup, ma maman a été mise à gauche avec ma sœur. Moi, j'ai été mise à droite avec mon papa et mon jeune frère. Je n'ai plus jamais revu ma maman après ça. Puis quand les femmes et les hommes étaient séparés, ils ont fait une nouvelle sélection chez les hommes. Ils ont mis les tout vieux à gauche, les malades à gauche, les tout jeunes à gauche. Mon jeune frère qui avait 14 ans était mis à gauche. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père. Et bien, finalement, on est resté là 60 ou 70 jeunes gens de 17, 18 ans et des hommes de 40, 45 ans. On nous met en rang par trois et on était toujours en pleine nuit. Hein. Tout ça s'est passé tellement vite. Et puis on est parti à droite, on est parti à gauche, et puis on est parti. Et puis on est arrivé devant un bâtiment, tout en longueur. Et comme nous étions au début du mois d'août, il faisait chaud dans ce pays. Alors on nous a donné l'ordre de nous déshabiller tout nus. On s'est regardé tout nus. Mais vous savez, moi qui, quand même, à Bruxelles, j'avais appris un peu le flamand. Ça ressemblait un petit peu à l'allemand primaire. Mon papa, qui parlait allemand parfaitement, m'a dit, il faut absolument se déshabiller. Parce que les SS levaient déjà leur matraque pour frapper ceux qui ne comprenaient pas. Alors on s'est déshabillé tout nus. Et j'avais la petite photo de Nelly dans ma poche. J'ai pris la photo, je l'ai pliée en 8 et je l'ai gardée dans mon poing droit. Et puis on nous a mis en file indienne pour entrer dans ce bâtiment. Alors vous devez vous imaginer ce que c'était. C'était comme une usine. Quand je suis rentré, j'ai vu pour la première fois des hommes avec un curieux costume. Rayé, gris et bleu. Moi, ça m'a fait penser à des bagnards. Il y en avait un qui était assis sur une table, il m'a pris par la nuque, mais sans explication. Il avait une tondeuse, il m'a tondu tous les cheveux,
Les poils en-dessus des bras, les poils du pubis, tous les poils du corps. Oui, quand c'était fini, il m'a presque jeté vers un autre Sébanien, qui lui avait un seau, une brosse. Dans ses eaux, il devait avoir un détergent parce qu'il m'a passé sa partie où on m'avait tendu. Et puis voilà, il me rejette dans la file, presque en courant, on passe dans une pièce, on reçoit de l'eau sur la tronche. C'était une douche, mais on n'a pas reçu de savon, pas d'essuie. Puis toujours en courant, on arrive dans une autre pièce. Il y a une série de tables. Derrière chaque table, il y a un SS. À côté de l'SS, il y a un de ses bagnards. Ils ont un registre devant eux. Et on commence à me questionner. Je dois donner mon vrai nom, mon vrai prénom, mon lieu de naissance, ma date de naissance. Et puis, ils continuent à me questionner comme ça jusqu'au moment de ma profession. Alors, je dis étudiant, qu'est-ce que vous voulez que je dise hein? Ah, je vois qu'il a inscrit, tout ça dans ce registre. Et alors, le bagnard qui se trouve à côté de l'SS prend mon bras gauche. Il a une pointe dans ses mains qui tremble dans la langue. Et très rapidement, il me marque dans la chair de mon bras gauche le numéro qui correspond à mon nom dans ce registre. B3635. Je ne comprends pas. Et puis voilà, c'est fini. Hop, on me remet dans la file, presque en courant. On passe devant d'autres bagnards qui, eux, ils ont une pile de vêtements derrière eux, ils prennent au hasard une pièce. On me jette comme ça un pantalon, une veste, etc. Et puis, pour finir, une sorte de béret. Et je mets ça en pile sur mon ventre parce qu'il faut courir. Et je suis sorti de l'usine. Et nous sommes toujours en pleine nuit. Tout ça s'est passé tellement vite. Mais les essais sont là aussi, avec leur matraque. Schnell, schnell, il faut s'équiper avec ce que vous avez reçu. Et je regarde ce que j'ai reçu, et je comprends plus rien. Ce sont des vêtements rayés, gris et bleus de bagnard. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'on me transforme comme ça en animal? On me marque comme un animal, et puis maintenant on me donne des vêtements de bagnard. Mais les chenelles, il faut s'équiper avec ce que vous avez reçu. Bon, c'est pas un matin, ça n'a pas d'importance. Je m'équipe, je mets ce bonnet, mais j'ai la photo de Nelly, moi. Mais il y a une poche dans cette veste. Ah, oh, je mets la photo dans cette poche. Et puis, toujours en pleine nuit, on a fait 3 kilomètres à pied. On est arrêté par des fils de fer barbelés. Il y avait 2 rangées de fils de fer barbelés. Il y avait une rangée avec des panneaux blancs avec des têtes de mort. Je dis, il y a peut-être de l'électricité là-dedans. Et puis, on est arrêté par un portail. Au-dessus de ce portail, il y a une inscription « Arbeit Marfrey ». Arbeit, ma frère. Je comprends aussi, parce que Arbeit veut dire travail, frère veut dire lit, mais je ne vois pas le rapport entre les deux. Donc, le portail s'ouvre, on rentre dans ce qui est un camp. Il y a des bâtiments d'un étage. Il y en a pas mal. On nous amène dans un de ces bâtiments. On nous fait monter au premier étage, j'ouvre une porte. On rentre dans une pièce où il n'y a strictement rien. Il n'y a pas de mobilier, rien du tout. Et puis, il ferme la porte derrière nous, sans explication. On ne comprend pas à qui je peux poser une question. À personne. Ils ont tous subi le même traitement que moi. Nous sommes toujours en pleine nuit. Tout ça s'est passé tellement vite. Alors, on se couche par terre pour dormir. Maintenant, voyez-vous, vous pouvez ouvrir les yeux. Nous sommes tous dans un camp. Mais nous ne savons pas où. Mais nous allons le savoir très vite. Parce que, voyez-vous, nous sommes au mois d'août. À 5h du matin, le soleil se lève. Les portes s'ouvrent. Les SS rentrent. Accompagnés, je veux dire, des vrais bagnards. Nous ne sommes pas des vrais bagnards. Nous avons juste reçu un costume. Et alors commence l'éducation. Comment devenir un bon esclave? Obéissant aux ordres en allemand, apprenant à saluer avec ce bonnet qu'ils appellent Mützen, qu'on doit saluer les SS sans le regarder dans les yeux, et aussi leurs collaborateurs, que nous apprenons que ce sont les capots, et que ce sont les capots qui dirigent le camp. Et c'est tout un drill, hein. On doit se mettre à genoux, les bras levés, quand les bras descendent, ils frappent. On doit se coucher par terre, face contre le sol.
Il marche sur nous. S'il y a une tête qui bouge, il frappe. Il faut que l'on comprenne que nous ne sommes plus des êtres humains normaux, mais des Undermensch. Et il faut que ça s'inscrive là. Il faut qu'on oublie ce qu'on était avant notre arrivée au camp. Et tout ça, c'est un drill, voyez-vous. À un certain moment, on voit arriver des prisonniers qui sont déjà des esclaves. Ils sont conditionnés. Ils sont à deux, ils portent une grande bassine dans laquelle il y a un liquide brun fumant. Il y en a un autre qui s'amène avec une série de gamelles à moitié rouillées. Très vite, ils nous font mettre en file indienne. Et puis, ils comptent 5 prisonniers. Et puis, ils prennent une de ces gamelles dans laquelle ils mettent 2 louches de ce liquide. Ils disent café. Nous n'avions rien reçu à manger. Nous n'avions rien reçu à boire. Et il fait chaud dans ce pays. Et il donne une de ses gamelles à 5 prisonniers. Alors, comme on a dû se mettre en file indienne très rapidement, je ne suis pas avec mon papa ou avec quelques copains que je m'étais fait parce que j'étais resté quand même 6 semaines à Malines. Alors, bon, on se regarde en chien de faïence. Qui est le premier qui allait laper ce liquide comme un animal ? Tout ça, voyez-vous, était calculé par les SS pour nous humilier, nous dégrader, nous faire comprendre que nous n'étions plus des êtres humains normaux, mais des Undermensch. Et le drill recommence, etc. Puis on voit arriver d'autres esclaves. Ce sont des tailleurs. Ils vont coudre sur notre veste un signe distinctif donnant la raison pour laquelle nous sommes dans ce camp. Alors mon père, qui parlait toujours polonais, parlait allemand, mélangeant le tout, entre ses dents, parce qu'on ne pouvait pas communiquer entre nous, il questionne ce tailleur pour savoir finalement où on se trouve. Qu'est-ce que c'est que cette... ou dans quel endroit nous nous trouvons. Et c'est comme ça qu'il apprend que notre groupe se trouve dans le bloc, c'est comme ça qu'ils appellent les bâtiments, le bloc de quarantaine. Et la quarantaine, c'est quoi? C'est la réserve des pièces pour les commandos de travail. Vous me suivez? D'abord, nous sommes des Undermensch. Maintenant, nous sommes des pièces de rechange. C'est comme ça qu'ils nous considéraient. Pas comme des hommes. Des hommes, c'était dans le passé. Maintenant, nous étions des pièces de rechange. Et alors, il apprend aussi que finalement, où est-ce que nous étions, nous? Nous étions dans le Stammla, le camp mère d'Auschwitz, numéro 1. Et que dans ce camp, il y avait une trentaine de bâtiments comme ça dans l'étage. Et que dans ce camp, il y avait entre 15 000 et 20 000 prisonniers. Et que dans ce camp, qui était dirigé que par des capots, on sortait du camp pour aller travailler. Et que nous, comme nous étions en quarantaine, nous n'étions pas productifs. Ce qui veut dire que finalement, nous recevions quasi rien à manger. Parce que le salaire du travailleur était la nourriture. Et c'était quoi la nourriture du prisonnier qui travaillait? Le matin, c'était ce fameux café. C'était de l'eau, bois, je ne sais pas avec quoi c'était fait. À midi, sur le lieu du travail, le capot, donc le qui était le patron de ce commando, c'est lui qui servait la soupe. On avait droit à 1 litre de soupe. Si vous étiez bien avec votre capot, il allait au fond du bidon, prendre une petite pomme de terre, un petit morceau de viande, et vous étiez mieux nourri. Autrement, il prenait simplement du liquide, une feuille de chou. Et tous les soirs, dans la chambrée et le bloc, le capot de la chambrée, c'est lui qui vous donnait le quart de pain militaire. 250 grammes d'un pain qui était collant, etc., avec une rondelle de saucisson et un petit morceau de margarine. C'était tout ce que vous aviez à manger pour une journée de travail d'esclave. Et c'était calculé au point de vue calorie par les SS. C'est que quelqu'un, voyez-vous, qui rentrait comme moi en bonne santé, après 3 mois de ce régime, j'avais perdu toute ma graisse, tous mes muscles. Et puis finalement, quand il y avait des sélections,
Parce que vous savez, vous avez peut-être vu la légende d'elle, là on voit très bien, vous deviez passer tout nu devant un médecin. Et quand il vous regardait, il dit, oh, ça c'est un bon, à gauche. Ah, celui-là c'est un bon, à droite. Donc et on savait que si c'était à gauche, c'était pour la chambre à gaz. Donc voilà ce que nous étions, des pièces de rechange pour les commandos de travail. Et il apprend aussi que ce qu'il cousait sur notre veste, c'était un triangle jaune et un triangle rouge. Ça voulait dire qu'on était juifs. Parce que dans ce camp, il n'y avait pas que des juifs. Il y avait toute une hiérarchie. Le haut de la pyramide, c'était les triangles verts. Le triangle vert, si vous voyez un triangle vert, c'était généralement les capots, donc les patrons. Et c'était des droits communs. En fait, vous voyez ce que les SS avaient fait, ils ont commencé à faire des camps de concentration. Ils ont été dans les prisons, ils ont sorti les assassins, les criminels, tous ceux qui avaient déjà tué des gens. Et on leur a dit, voilà, vous allez avoir une promotion, vous allez aller dans un camp, et là, vous serez, vous, le patron. Et vous devez faire travailler les gens qui sont en dessous de vous. Et vous avez droit de vie et de mort sur eux. Quand vous dites ça à un gars qui a été en prison parce qu'il avait tué des gens, que ici, c'était lui le patron, c'est lui qui pouvait tuer qui il voulait et qu'il n'allait jamais avoir de problème. Au contraire, il allait avoir des promotions. Il ne se gênait plus alors. Ça, c'était le haut de la pyramide à Auschwitz. Et dans aucun autre camp, les capots étaient des triangles verts. Et dans aucun autre camp, parce qu'il y en avait des centaines de camps, donc pas seulement en Allemagne, dans tous les pays qu'ils avaient occupés en Europe, on ne tatouait, parce qu'on ne tatouait que ceux qui allaient, d'après eux, mourir par le travail. Tous ceux qui étaient inaptes au travail étaient envoyés directement dans la chambre à gaz. Donc, ça, c'était le haut de la pyramide, les triangles verts. En dessous, il y avait des triangles rouges, c'était les politiques. En dessous des triangles rouges, il y avait les triangles mauves, c'était les témoins de Jéhovah. En dessous des triangles mauves, il y avait les triangles roses, c'était les homosexuels. En dessous des triangles roses, il y avait les triangles jaunes, avec un Z, c'était les tziganes. Et tout à fait en bas, c'était les juifs. Les triangles jaunes et rouges. Il était occupé à cause sur notre veste, avec en dessous un rectangle blanc où on allait mettre le nom de chacun, pour moi, B36-35. Il apprend aussi que où nous sommes arrivés, parce que nous ne sommes pas arrivés dans ce camp de Steinberg. Nous avons fait 3 km à pied la nuit. Où nous sommes arrivés, le train entier rentrait dans le camp. Vous devez vous imaginer la grandeur de ce camp, si le train entier rentrait dans le camp. Et c'est là que nous avons été débarqués sur le quai qu'ils appelaient la rampe. Et c'est là que les premières sélections ont été faites, les femmes à gauche, les hommes à droite. Vous savez que chez les femmes, ils avaient fait la même chose que chez les hommes. Hein, ils avaient mis à gauche les malades, les grands-mères, les mamans avec leurs petits bébés, les jeunes filles jusqu'à 14, 15 ans, en leur disant, voilà, vous allez rentrer dans un camp, mais il y a le typhus. Et le typhus est une maladie mortelle. Alors, vous voyez, là, il y a des camions avec la Croix-Rouge. Ceux qui savent à marcher peuvent prendre le camion et on va vous amener au vestiaire. Les autres peuvent marcher jusqu'au vestiaire. Et au vestiaire, bien sûr, il y avait des crochets au mur avec des numéros. Et des bancs. On leur disait, voilà, vous allez vous déshabiller tout nu pour prendre votre douche. Vous étiez entre femmes, filles, etc. Donc, il n'y avait pas de problème. Pas de problème, hein. Et voilà pourquoi les gens se seraient inquiétés. On va prendre une douche. Donc, ils allaient tous dans la douche. Et il y avait des pommeaux de douche. Et puis, quand tout le monde était rentré dans la douche, de ces pommeaux de douche, ce n'était pas de l'eau qui tombait, mais du gaz. Du cyclone B. Et 20 minutes après, tous ceux qui étaient dans cette douche étaient morts.
Alors, les portes s'ouvraient d'un autre côté. Voyez-vous, il y avait un commando spécial de prisonniers affectés spécialement à ce travail. Une partie d'eux devait nettoyer la douche parce qu'il y avait des saletés, etc., donc pour les suivants. L'autre sortait, tirait tous les cadavres dehors. Parmi eux, il y avait des coiffeurs qui tondaient tous les cheveux, des jeunes filles, des bébés, parce qu'il ne fallait pas laisser perdre ça, voyez-vous. Il y avait même quelques dentistes qui regardaient dans les femmes, dans les bouches des femmes pour voir s'il n'y avait pas des dents d'or. Ils arrachaient. Et puis, alors, ils arrachaient les boucles d'oreilles, ils enlevaient les bagues, toutes les bagues, ils récupéraient tout. Il y avait même des docteurs, des médecins qui regardaient dans les parties génitales des femmes pour voir s'il n'y avait rien de caché. Et puis, tous ces cadavres montaient par un monte-charge vers les fours crématoires. Et là, il y avait 5 batteries de fours crématoires. Mais chaque batterie, il y avait plusieurs entrées de fours parce que c'était tellement bien. C'était étudié spécialement pour Auschwitz, pour pouvoir mettre plusieurs corps. Et puis après même, les cendres étaient utilisées comme engrais. Comment pouviez-vous croire quelque chose d'aussi énorme? Nous, on n'avait rien vu. On n'avait rien vu parce qu'on est peut-être resté peut-être une heure. Nous autres, on n'a fait que traverser la sauna. Donc, on les a transformés en bagnards. Et puis après ça, on a fait les 3 kilomètres à pied, toujours en nuit. Nous, on n'avait rien vu. Comment pouviez-vous croire quelque chose d'aussi énorme qu'on amenait de toute l'Europe des femmes et des bébés, rien que pour les gazer, les brûler? Et dans ce camp qui s'appelait Birkenau, Auschwitz numéro 2, il y avait 100 000 prisonniers. Vous devez essayer de vous imaginer ce que c'est que 100 000 prisonniers. Mais c'est un chiffre, mais ce n'est pas un chiffre. C'est 100 000 fois une personne. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il apprend aussi qu'à quelques kilomètres de Birkenau, il y avait Buna-Monowitz, une énorme usine en construction. Et là, il y avait toute une série de petits camps autour pour que les prisonniers ne fassent pas chaque fois la navette vers les camps mères. Il y avait Auschwitz 3, 4, 5, 6, 7, avec chaque fois un nom. Et puis, il y avait beaucoup de civils qui travaillaient là. Parce que pour construire une usine, il fallait des ingénieurs, il fallait des métiers spécialisés, des soudeurs, des trucs comme ça. Parce que, voyez-vous, les SS avaient l'intention, dans cette usine, avec, bien sûr, l'aide des grandes sociétés allemandes qui existent toujours, donc de fabriquer de l'essence synthétique et du caoutchouc synthétique. Et là, il y avait des centaines de civils, obligatoires, volontaires, de toute l'Europe. Et c'était ça, Auschwitz, sur 80 kilomètres carrés. Et puis, tous les camps étaient entourés de barbelés. Mais en dehors des camps, il y avait les casernes pour les soldats SS. Il y avait les villas pour les officiers SS. Il y avait les bureaux, la logistique, c'était ça, Auschwitz. Et nous, notre petit groupe, nous nous trouvions à Auschwitz numéro 1, Stammlager, dans le bloc de quarantaine, Arbeit, ma frère. Tu ne travailles pas, tu n'es pas nourri. Donc il fallait sortir, parce que tous les jours, ils venaient demander des professions, puisque nous étions des pièces de rechange, pour compléter des morts qui étaient dans les commandos. Mon père m'a dit, ben alors, écoute, moi je parle polonais, je parle allemand, je vais mieux me débrouiller dans un commando, j'accepte une profession que je connais même, si je peux me débrouiller, je sors. Et toi, il dit, tu te démerdes et tu sors aussi. Et on va pouvoir se voir un dimanche sur deux. Parce qu'un dimanche sur deux, les commandos ne sortent pas du camp. Parce qu'il y avait effectivement le typhus. Et les SS avaient très peur du typhus. C'est pour ça qu'on devait repasser chez les coiffeurs pour se faire tondre tous les poils du corps. Parce que ce sont les poux dans les poils qui transmettent le typhus. Donc, dit, on va pouvoir se voir. Donc, un dimanche sur deux, nous ne sortons pas du camp, mais comme il y a entre 15 000 et 20 000 prisonniers, tu te rends compte, on aura quand même quelques heures de libre. Et mon père sort du camp. Un jour, il demande à un menuisier, je lève la main. Bon, je dis que je suis menuisier, on me prend.
On prend mon numéro, ben 36-35. On m'amène au bloc numéro 7. On fait rentrer dans la chambre de gauche. Et là, je vois des chalets, des lits sur trois niveaux. Il n'y a que ça. Et il y a un lit dans un coin. Il y a une table, une chaise, une armoire. C'est pour le capot de cette chambrée. Dans laquelle, sur trois niveaux, il y a à peu près 200 prisonniers qui font que dormir. Et c'est lui qui va nous servir le petit morceau de pain le soir. Donc il m'a inscrit dans son registre, B3635, sera nourri, et il me dit, demain matin, tu sors, tu vas là, ça c'est ton commando. Bon, les commandos rentrent du camp, rentrent au camp plutôt, avec leur mort de la journée. On est comptés, on aligne les morts, parce qu'ils ont été comptés quand ils sont sortis, mais ils marchaient. Maintenant, ils sont morts, ils doivent être rentrés, de toute façon, portés par leurs amis. Et puis après ça, on peut rentrer dans son bloc, on doit passer devant le capot, dans sa chambrée, salut, et puis il nous donne le petit morceau de pain auquel on a droit. On se couche. Le lendemain matin, à 5h du matin, à Ouchin, et je vais à l'emplacement de mon commando. Et je constate que c'est un petit commando. Nous sommes finalement que, quoi, une quinzaine. Mais il y a un capot, hein, un grand Ukrainien, un triangle vert. Avec son bâton, il m'indique une place. Et on attend pour sortir. Alors, sortir du camp, c'est toute une histoire, parce qu'il faut quand même que ce soit fait dans les règles. Alors, il y a un orchestre où il y a le portail Arbeit-Marfrey, à gauche. Il y a un orchestre de prisonniers qui jouent des marches à la mort, des débuts de marches. Hein, et chaque début correspond à un commando. Parce que quand on est 15 000 ou 18 000 personnes, autour de chacun de son bloc où on habite, on ne voit pas la sortie. Donc, quand on entend l'air, on se met en marche dans la file, en rang par 5. Et alors, on sort, et quand on passe devant l'orchestre, il y a une série d'officiers qui comptent tous ceux qui sortent. Et là, le capot hurle, Mützen, on va directement tous au bonnet, Mützen ab. On sort du camp des Mützen auf. Et puis alors, après ça, donc, les soldats SS qui rentrent jamais au camp, hein. Ils sont là sur des miradors, c'est tout. Donc, ils entourent le groupe, et les commandos vont vers leur lieu de travail. Et puis, je constate simplement qu'il n'y a pas de soldats SS qui entourent notre petit groupe. On fait quelques centaines de marches, centaines de mètres. On arrive à un bâtiment, le capot descend dans les sous-sols, il ouvre une porte, on rentre dans un bâtiment, dans une pièce qui est... Il y a quelques machines, etc., des établis, etc. Il m'indique une place. Et puis, je me mets là, et j'attends qu'on me donne du travail de menuisier, puisque j'ai levé la main pour dire que je suis menuisier. Pourquoi je lui ai fait ça? Mais d'abord, je voulais sortir de la quarantaine. C'était un bourgeois, on ne recevait rien à manger. Donc maintenant, je me souvenais simplement qu'avant la guerre, je m'étais fait membre d'une bibliothèque, parce que je lisais tout le temps, j'étais tout le temps dans mes bouquins. Vous savez, la culture d'aujourd'hui n'est pas la culture non plus à l'époque. Hein. Donc je veux dire, mes parents étaient des gens très simples, donc je voulais connaître beaucoup de choses, et je lisais beaucoup. Et puis alors, à l'école, là, on avait des travaux manuels, on a travaillé le bois. Moi, j'ai fait un petit lutrin en bois, vous savez, un petit support pour les bouquins. Est-ce que j'étais un menuisier? Je connaissais bien le nom de tous les outils, mais est-ce que j'étais un menuisier? J'ai risqué. Et maintenant, je suis dans ce commando. Et je suis là, et on me donne rien. Alors, je suis étonné. Je regarde, et tout le monde est occupé à faire quelque chose. Ah bon? Je regarde à ma droite et je vois le prisonnier qui est à ma droite. C'est un menuisier parce qu'il fabrique des petites boîtes. Mais bien faites, hein? Tenons, mortaise, polie. Oh là là. Si moi je dois fabriquer des petites boîtes comme ça, je ne suis pas capable. Hein. Enfin, la conversation avec les gens ici, ça va être compliqué aussi. Je suis le seul francophone. Alors je mélange le peu d'allemand que je connais avec le flamand, etc. Et je commence à parler avec ce menuisier pour savoir ce que c'est que ce commando. Et finalement, j'apprends que ce commando est un commando de service pour les SS. Comme je vais expliquer, il y a des casernes, des villas, etc. C'était pour eux. Parce que dans ce commando, il n'y a que deux menuisiers.
le vrai et moi qui remplace un menuisier qui est mort. Et puis il y a des plombiers, des peintres, des vitriers, toute une série de professions au service des SS. Quand ils ont besoin donc d'un travail quelconque pour leur bâtiment, ils font appel à notre à la profession chez nous. Et alors, bon, on sort du camp et on est gardé par les SS, on va travailler. Et quand on n'a pas de boulot pour les SS, c'est le capot, le grand Ukrainien, qui profite de lui, de ses esclaves, pour leur faire faire à chacun quelque chose. Et par les menuisiers, ils devaient fabriquer ces petites boîtes. Les électriciens devaient fabriquer des petits jouets avec des fils de fer, etc., parce qu'ils les vendaient. Ils les vendaient à qui ? Mais pas aux prisonniers, parce qu'il avait des copains ukrainiens à Auschwitz-Birkenau, mais il avait surtout des copains ukrainiens à Bouna-Monowitz, où il y avait l'usine, où il y avait les civils. Et ces petites boîtes transitaient jusque-là. Et c'était vendu aux civils. Voilà le travail fait par les prisonniers. Mais ce n'était pas vendu pour de l'argent, parce que l'argent n'avait pas cours dans les camps. C'était vendu pour des cigarettes. C'était la cigarette qui était la monnaie du camp. Alors, un fumeur qui voulait avoir une cigarette, qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait faire du troc, parce qu'on n'avait strictement rien. Alors, il devait donner quelque chose. Et qu'est-ce qu'on avait tous les jours ? C'était ce morceau de pain ou de la soupe. Donc, un fumeur qui voulait avoir une cigarette, il devait donner un morceau de pain ou il devait donner un demi-litre de soupe. Donc, un fumeur dans les camps, il abrégeait lui-même sa propre vie. J'ai dit, oui, tout ça, c'est très bien, mais moi, je ne suis pas capable de fabriquer des boîtes aussi bien que ce menuisier. Alors, puisque j'ai risqué, je vais encore continuer à risquer, et je me fais comprendre par ce menuisier, j'obtiens un petit pinceau et de la peinture de différentes couleurs, et comme je sais dessiner, bon, ben, je prends de ces petites boîtes bien faites, bien polies, bien dites, et je commence à la décorer. Hein, je mets une petite ville autour, enfin, des petites fleurs. Je suis occupé comme ça. Mais ce vrai menuisier, il croit que je salope son boulot. Il va chez le capot, il commence à parler entre eux, et je vois arriver ce grand gaillard avec son bâton déjà levé pour me fracasser la tête. Il m'arrache les mains, ce que je suis occupé à faire, et puis il regarde. Et puis il est étonné. Il regarde ça. Il se met à réfléchir. Il me regarde comme ça. Il réfléchit de nouveau. Et puis alors il me dit. Et il me remet la petite boîte et me tape sur l'épaule. Il me dit en allemand, Weitermachen. Moi j'ai compris que là, j'avais sauvé ma peau. Mais lui, ce qu'il avait compris, c'est que ce menuisier qui venait de lui arriver, qui n'était peut-être pas un menuisier, mais allait lui faire gagner beaucoup plus de cigarettes. Parce qu'avant ça, il vendait des petites boîtes blanches. Maintenant, moi, je les décorais, donc il allait vendre des petites boîtes décorées. Donc, avec des mots d'aujourd'hui, hein, j'avais donné de la valeur ajoutée au produit. Donc, forcément, ça valait beaucoup plus de cigarettes. Donc, sans me frapper, sans rien faire, il allait gagner plus de cigarettes. Donc, il allait me protéger, effectivement. Quand il servait la soupe, il allait au fond du bidon pour moi, prendre une petite pomme de terre, un petit morceau de viande. J'étais déjà mieux nourri. Et puis, comme il avait des cigarettes en pagaille, il m'en donnait aussi. Et puis, comme il avait du pain en pagaille, il m'en donnait aussi. Et c'est comme ça, voyez-vous, quand je voyais mon père un dimanche sur deux, je lui donnais aussi des cigarettes, je lui donnais aussi du pain. Et comme ça, à deux, nous avons pu mieux survivre à Auschwitz. Et comme ça, nous sommes arrivés jusqu'en 1945. Le 17 janvier 1945, en plein hiver, pas moins 20, moins 25, de la neige partout. On nous a jetés sur les routes. C'était l'évacuation du camp, parce que les Soviétiques avaient commencé leur offensive qui allait les amener jusqu'à Berlin. Et c'est là que j'ai perdu contact avec mon père, parce qu'on n'était pas dans le même bloc. Donc, on se voyait qu'un dimanche sur deux. Moi je ne savais pas qu'on allait nous jeter sur les routes. Donc, comment le reconnaître parmi les milliers de prisonniers, tous habillés de même, tous amaigris, etc. Je l'ai perdu de vue. Et puis là, c'était vraiment ça, marcher ou crever. Parce qu'on était gardés par les SS, les soldats SS, qui, eux, ils avaient des musettes, hein, avec de la nourriture, des thermos, etc. Mais ils avaient surtout un revolver dans la main. Parce que si vous étiez fatigué, vous en aviez marre, vous vous mettiez sur le bas-côté de la route. Quand un SS passait, vous voyez là, et vous envoyez une balle dans la tête.
Et puis voilà, après plusieurs jours, on est arrivé en Allemagne, à Großhausen, qui était un camp normal, dans le sens qu'on y mourait aussi par le travail, mais il n'y avait pas de chambre à gaz. Et là, tout, on était couchés sur la place d'appel, tous. Et puis j'entends parler français, alors je me dis, c'est peut-être mon père et quelques copains. Non, c'était trois jeunes Français, un peu plus âgés que moi. Ben. Et je lui dis, voilà, je parle français, je peux rester avec vous. Ouais, couche-toi dans la neige. Et puis on a attendu, après ça, donc après quelques jours, ceux qui ont pu se lever, ont reçu du pain, une soupe, et puis alors on était amenés, il y avait de nouveau un train, des wagons de marchandises. Alors on a été embarqués dans les wagons, mais on n'a pas pu s'asseoir, on a dû rester debout. Alors on était, voilà, serrés les uns à côté des autres, comme des sardines. On devait être une centaine par wagon. Puis quand le train était chargé, le train est parti. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans ces wagons, mais simplement, ce n'étaient pas des trains prioritaires. Donc ils restaient immobiles pendant des jours entiers. Après 6 à 7 jours, ils ont ouvert les portes. C'était la seule fois. Et de mon wagon, je ne me souviens que de mon wagon, parce que les autres, on est ressorti 20 ou 25 de survivants. En rampant en dessous des morts, puis alors on a été emmené en camion vers des baraques. Quand on est rentré dans les baraques, il n'y avait que des chalets. Il n'y avait que ça, des lits sur 3 niveaux. Il n'y avait même pas un lit pour une personne. Et là, nous avons appris que nous étions arrivés à Dachau, le premier camp qui a été fait en 1933. Alors, Dachau se trouve au nord de Munich, Munich en Bavière. Et alors, ceux qui ont pu se lever, après plusieurs jours, nous avons été amenés en camion tout à fait dans le sud de la Bavière, dans les forêts. Parce que, voyez-vous, en janvier 1945, les Allemands pensaient encore gagner la guerre avec leurs nouvelles armes qu'ils avaient inventées, les V1, les V2, donc le début des fusées. Mais comme ils étaient bombardés aussi, ils construisaient des usines dans les forêts, dans des usines souterraines. Et là, il y avait toute une série de petits camps, ce n'était pas des blocs comme Auschwitz, ni même des baraques, c'était des véritables huttes. Et là, on a travaillé comme des esclaves. Et là, la petite photo de Nelly, voyez-vous, elle m'a été utile. Parce qu'à Auschwitz, je savais, parce que c'était, tu rentrais à Auschwitz et tu savais que tu ressortais par la cheminée. Donc c'était la seule sortie possible. Mais vu l'avance des Alliés, ils ont jeté sur les routes. J'ai compris après pourquoi, comment ils nous prenaient toujours avec. Parce qu'ils voulaient sauver leur main-d'œuvre gratuite. Voilà. Donc là, on a travaillé comme des esclaves. On a porté des rails de chemin de fer, des sacs de ciment, etc. Et nous sommes arrivés en 1945. Il commençait à faire beau. On nous a sortis de la forêt. Il y avait de nouveau un train, des wagons de marchandises. On nous a embarqués à 40, 50 par wagon. Mais ils n'ont pas fermé les portes entièrement. Puis lors d'un bombardement, j'ai eu l'occasion de m'évader avec un des Français. Et puis on s'est caché dans une grotte la nuit. Et puis après, on est arrivé dans un tout petit village où il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là depuis 5 ans. C'était des fermiers, eux, en France, avant la guerre. Mais ici, ils remplaçaient simplement le fermier allemand qui, lui, avait été mobilisé dans l'armée allemande. Donc ils étaient là depuis 5 ans. Ils travaillaient tous dans des fermes et tous les soirs, ils étaient enfermés dans le théâtre qui était devenu leur prison. Voilà. Et c'est comme ça, voyez-vous, que nous étions là, cachés à l'arrière de cette prison, dans cet ancien petit théâtre. Et le 1er mai, l'armée américaine qui avançait a pris ce petit village. Nous avons pu sortir. Mais comment prévenir que nous étions vivants? Aujourd'hui, vous prenez votre smartphone, vous téléphonez, vous dites, venez me chercher. À cette époque-là, il n'y avait pas de communication, d'autant plus que le téléphone était vraiment aplati en Allemagne. Je veux dire qu'il n'y avait pas moyen de téléphoner, il fallait attendre.
On a attendu, et puis on a vu arriver une Jeep française, parce qu'elle savait qu'il y avait des prisonniers de guerre français qui étaient là. Elle venait prendre le nom de tout le monde. Elle a pris le nom de mon copain Jean, et puis de moi. Et puis après ça, on a vu arriver un camion français qui nous a ramenés vers un centre de rassemblement pour les Français. Et puis ils ont fait un train de wagons de marchandises pour nous ramener en France. Mais vous savez, le retour a été glorieux. Hein, les portes grandes ouvertes de ces wagons. On n'était que maximum 15 dans chaque wagon, avec des boissons, de la nourriture. On chantait la Marseillaise tout le temps, la Madelon. On a mis plusieurs jours pour arriver dans le nord de la France, à Charleville-Mézières. Et puis là, débarquement. Contrôle de police très strict. Parce que tout simplement, il y avait des Allemands qui, eux, avaient enlevé leur uniforme et qui s'étaient mis en civil, espérant comme ça pouvoir se faire passer comme des personnes déplacées, mais il fallait des papiers. Moi, j'avais strictement rien non plus. Alors, devant le... Je lui ai montré mon bras gauche. « Ah, oh, mais toi et Jean aussi, vous allez à Paris. » Vous voyez, pour des gens comme vous qui venez des camps, il y a un hôtel, l'hôtel Lutétien. Et la Croix-Rouge s'occupera de vous. Ne vous inquiétez pas. Je dis « Oui, mais d'accord, moi, je ne vais pas à Bruxelles. Je ne vais pas à Paris, je vais à Bruxelles. » Ah oui, ils ne sont pas organisés pour te faire passer à Bruxelles. Parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein, il y avait des vraies frontières entre les pays. Si vous vouliez passer de France en Belgique ou de Belgique en France, vous deviez avoir un passeport avec un visa. Autrement, vous ne passiez pas. Et moi, j'avais strictement rien. Et je dis non, moi, je ne vais pas à Paris. Hein. Moi, j'attends le retour de mes parents. Hein. Alors, j'ai été voir la Croix-Rouge française. J'aurais expliqué mon cas. Je dis, maintenant, voilà, vous êtes responsable de moi. Ah, j'ai dit, bon, ben alors la Croix-Rouge française a discuté avec la Croix-Rouge belge. Et la Croix-Rouge belge a accepté d'être responsable de moi. Et c'est comme ça que j'ai pu passer la frontière. Et puis la Croix-Rouge belge m'a amené à la gare du Midi à Bruxelles. Et là, j'étais là dans un centre d'accueil. Je dis, je ne vais pas rester ici à attendre mes parents. Et j'ai téléphoné chez Paul, un autre Paul, qui était de mon petit groupe, qui était lui aussi réfractaire au travail. Je lui dis, voilà, Paul, je suis rentré, est-ce que tu peux m'héberger pendant quelques jours? Oui, viens, dit. Et lui, il était le fils de la Mercerie. La Mercerie, c'était une petite boutique à côté de la librairie des parents de Nelly. Je lui dis, comme ça, je vais savoir ce qu'elle est devenue. Et puis j'ai questionné Paul, il dit, ah, oh, mais tu sais, Nelly, quand on a été libéré, parce que... Bruxelles a été libérée quelques semaines après notre départ. Hein. Nous sommes partis le 31 juillet et en septembre, Bruxelles était déjà libérée. Elle s'est engagée dans la Croix-Rouge voulant essayer de savoir ce que tu étais devenu. Et puis Nelly est venue. Et puis j'ai compris qu'elle tenait à moi. Moi, je tenais à elle aussi. Vous savez, grâce à cette petite photo qui m'a fait tenir le coup. Et puis j'ai dit, voilà, maintenant, je vais attendre le retour de mes parents. Et puis je tombe malade. Enfin, malade, réaction du camp, etc. Toutes les crasses que j'ai eu une blessure. Enfin, bon. Et puis ma sœur revient 8 jours après moi. Je lui dis, voilà, tu vois, je suis ici chez des amis, je suis un malade, etc. Mais fais-toi héberger par quelqu'un le temps que nos parents reviennent. Et c'est comme ça, voyez-vous, que mes parents ne sont pas revenus. Mon jeune frère n'est pas revenu non plus. Alors bon, qu'est-ce faire? Ici, voyez-vous, j'ai l'habitude de vous demander, et je vous passe la parole. Si vous avez des questions à me poser, c'est le moment de le faire. Et je répondrai à toutes les questions. Mais je sais qu'il y a une partie de vous qui va se lever dans 10 minutes pour aller rejoindre leur bus. Alors, ils n'entendront pas la deuxième partie de mon exposé qui reparle de ma reconstruction. Voilà, si vous avez quelques questions à me poser, c'est le moment.
Comment est-ce que les prisonniers à Auschwitz... Il faut parler assez fort, hein, dans, même dans le micro. Hein. Bon, comment est-ce que les prisonniers à Auschwitz ont appris pour les chambres à gaz? Comment ils ont appris? Oui. Écoutez, vous savez, quand vous êtes dans un milieu fermé comme Auschwitz, vous apprenez très vite où vous vous trouvez. Parce que voyez-vous, quand vous vous dites « Ah, je suis fatigué, ah, fais attention, hein. » Quand il y a une sélection, si tu es fatigué, tu vas à la chambre à gaz. Donc, très vite, on savait. On n'avait rien vu, nous, de Birkenau, puisqu'on n'a fait que passer pendant une heure et demie, je n'en sais pas. On a été transformés, là. Mais le climat des camps, vous apprenez très vite où vous êtes, vous savez. Et vous avez intérêt à l'apprendre très vite. Donc, les gens qui ne comprenaient pas, eux, ils avaient des problèmes. Mais donc, par instinct ou par la rumeur? Comment? Par instinct ou par la rumeur? Est-ce qu'on en parle? Non, pas par instinct. Comment est-ce que... Je ne peux pas le respirer, hein? Je dis, ah, je sens... Non, le contact, simplement. Hein, vous savez, parce que dans le camp, finalement, comme nous étions des prisonniers de toute l'Europe, il y a finalement un langage unique, hein, basé sur de l'allemand... Comme c'était la majorité des Hongrois juifs sont arrivés donc en 1944 à Auschwitz, 430 000 Hongrois, vous vous rendez compte, en quelques mois, dont les trois quarts ont été amenés directement dans les chambres à gaz, sans être inscrits dans le camp. Hein. Donc, malgré tout, il y avait une majorité d'Hongrois, donc il y avait des mots d'Hongrois, des mots de Polonais, des mots d'Allemands. Tout ça faisait un petit langage qu'on pouvait se comprendre. Parce que, vous savez, dire pain, par exemple, dans toutes les langues, il fallait dire que pain. Donc, il ne fallait pas des longues phrases, voyez-vous, pour dire. Donc, vous apprenez très vite à survivre dans les camps. Le micro passe. C'est bon, c'est Azoun. Est-ce que vous avez gardé la photo encore? Plus fort. La photo. Est-ce que vous avez gardé la photo? Si j'ai gardé la photo. Écoutez, je l'ai gardée pendant tout mon séjour dans les camps. Pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas gardée après? Vous avez... Pour moi, c'est vital. Bien sûr que j'ai gardé cette photo. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous raconter la suite. Avec Nelly, bien sûr. Finalement, on s'est rendu compte que nos sentiments n'avaient pas changé. Mais vous savez, elle était chrétienne. Moi, je suis d'origine juive. Bon, finalement, j'ai rencontré un monsieur qui, lui, m'a aidé. Il était le secrétaire particulier du cardinal Cardine. Et c'est lui qui m'a aidé, finalement. Parce que, voyez-vous, la majorité... À l'époque, ce n'était pas 18 ans comme aujourd'hui, c'était 21 ans. Et nous avions 20 ans et on pensait se marier. Mais ses parents n'étaient pas du tout d'accord, comme ils étaient très catholiques. Et puis alors, bon, un gamin qui était tout seul, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il a comme métier, rien du tout. Et leur fille unique, rien du tout. Alors, j'explique ça à Jacques Myrthe. Donc, il dit, mais je vais aller voir les parents de Nelly. Et alors, voyez-vous, il a été voir les parents de Nelly. Eux, ils ont été impressionnés de voir comment un secrétaire particulier de cardinal qui s'occupe de ce gamin a dit, mais oui, mais je le connais très bien. Il est très courageux, vous savez. Maintenant, il a un bon métier, il travaille dans l'imprimerie, etc. Et il aime votre fille depuis l'âge de 16 ans. Oui, mais non, mais nous... mais, enfin, écoutez, pourquoi vous êtes contre ce mariage? Mais parce que tout simplement, pour notre fille, nous pensons qu'elle rentre dans une autre famille, hein, bien, et qu'elle se marie en blanc et à l'église. Ah bon?
en blanc. Mais enfin, monsieur, nous sommes chrétiens quand même. Oui, bien sûr, je comprends. Ben, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Et alors, il est revenu chez moi, il m'a dit, voilà, j'ai été voir mes parents de Nelly. Ah, j'ai dit, alors, ils sont d'accord. Ah bon, mais il y a un petit problème, il dit. Ils tiennent absolument à ce que Nelly se marie en blanc et à l'église. Je dis, moi, je ne vois pas d'objection non plus. Hein, moi. Non, toi, tu ne vois peut-être pas d'objection, mais tu vois, la religion chrétienne voit une objection. C'est que, comme tu n'es pas catholique, tu ne peux pas rentrer dans une église pour te marier avec une jeune fille, surtout qu'elle se marie en blanc. Ah bon ? Et alors, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire ? Et alors, voyez-vous, Jacques Mier, en plus d'être secrétaire particulier du cardinal Cardin, il était responsable d'un bâtiment qu'il y avait à Bruxelles, près de la gare du Midi, un grand bâtiment, parce que, voyez-vous, ils étaient fondateurs, avec le cardinal et lui, d'une association qui s'appelait la Jeunesse ouvrière chrétienne. Et les jeunes chrétiens qui arrivaient à Bruxelles, ils venaient pour toute la semaine. Ils logeaient dans ce grand bâtiment qui était, il y avait des chambres, restaurants, salles de loisirs, etc. Et alors, il me dit, voilà, mais tu vois, dans ce bâtiment, il y a aussi une petite chapelle. Et il y a un prêtre qui vient deux fois par semaine, qui fait des confessions, etc. Mais il fait aussi des baptêmes d'adultes. Alors, il me dit, si tu aimes vraiment Nelly, t'as qu'à te faire baptiser chrétien. J'ai quoi ? Et c'est tout ? Il me dit, oui, c'est tout. Oh, j'ai mal, alors, par amour pour Nelly, je peux bien faire ça. Et je me suis fait baptiser chrétien. Et voyez-vous, ce simple geste qui, pour moi, qui suis complètement athée depuis toujours, je ne pouvais pas tout d'un coup aussi, je vais être chrétien parce que... Je... Non, c'est un geste. Mais pour la famille de Nelly, qui était catholique et très active, ils allaient à la messe tous les dimanches, etc., je me dis, ils ont trouvé ce geste tellement extraordinaire qu'ils ont finalement, ils m'ont adopté. Et voyez-vous, c'est comme ça que le 17 septembre 47, on s'est mariés, Nelly et moi. En 49, j'ai eu mon fils, en 51, j'ai eu ma fille, qui eux-mêmes ont fait des petits bébés, puis qui ont fait des petits bébés. Maintenant, je suis arrière-grand-père d'un petit gamin qui a un an déjà. Donc, c'est pour vous dire, voyez-vous, que j'ai gardé cette photo. En plus, j'ai épousé la fille qui était sur la photo. Bonjour, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez gardé votre marque, enfin, qu'on vous a fait à Auschwitz ? Le tatouage, mais oui, bien sûr, j'ai gardé le tatouage. Je voulais sans doute le voir, mais comment je peux vous le montrer ? Vous savez, d'habitude, j'ai un passage comme ça, et puis je peux le montrer, mais enfin bon, ceux qui veulent le voir par après peuvent venir me voir. Bon, mais écoutez, mais je voudrais quand même, avant de vous le montrer, vous expliquer quelque chose. Aujourd'hui, se faire tatouer, c'est à la mode. C'est à la mode, regardez, les grandes vedettes du sport, les grandes vedettes de la chanson, toutes les grandes vedettes, etc., se font tatouer. Hein ? Il y en a qui se font tatouer sur tout le corps, etc. Ils oublient qu'ils sont jeunes et qu'ils sont beaux. Quand ils seront vieux, quand ils seront laids, à quoi ça va ressembler ? Bon, enfin, bon, c'est leur problème. Parce que, voyez-vous, ils ont été eux-mêmes chez un tatoueur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier, être tatoueur. Vous êtes installé, vous devez avoir des outils performants, des outils hygiéniques. Et en plus, on vous montre un petit book où vous pouvez choisir ce que vous voulez vous faire tatouer. Moi, je n'ai jamais demandé à être tatoué. On a pris tout d'un coup mon bras gauche. Et on m'a mis dedans le numéro qui correspondait à mon nom dans ce registre en me disant, maintenant, tu t'appelleras B. Sechsunddreißig, en allemand. Donc, vous voyez la seule différence.
Alors, bien sûr, je peux vous le montrer. Je ne sais pas si vous avez des yeux suffisamment performants comme des oiseaux rapaces. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Je peux essayer de vous aider comme ça, voyez-vous. Voilà. Oh non, il est parti. Autrement, la photo, vous le voyez. Ça, c'est la trace. B, excentrage, effet final. C'est comme ça que je m'appelais dans les camps. Et ça servait surtout, comme je vous l'ai expliqué, quand on passait donc devant le médecin lors de la sélection, si vous étiez mis à gauche, on prenait votre bras droit, votre bras gauche, et on savait directement à qui on avait affaire. C'était vous qui alliez dans la chambre à gaz, et pas un autre. Et on ne tatouait que à Auschwitz. Voilà, ça c'est le tatouage là-bas. Est-ce que vous avez rencontré encore des gens à Bruxelles qui étaient avec vous à Auschwitz après que vous soyez revenu ? Est-ce que vous avez encore rencontré des gens qui étaient avec vous à Auschwitz après ? Si j'ai rencontré des gens. Après, oui. Revu des gens qui étaient à Auschwitz. De mon transport, je n'ai rencontré personne. Je me sentais pas juif du tout, donc je veux dire que je n'étais pas du tout dans les associations juives, etc. Donc je ne connaissais rien, donc je n'ai pas fréquenté donc les mouvements juifs. Et puis par après, donc j'ai été chez les socialistes, bien sûr, quand je me suis retrouvé tout seul et que je savais que mes parents ne revenaient pas. Et eux, ils m'ont envoyé dans un home en dehors de Bruxelles. Là, il y avait un autre jeune, plus âgé que moi. Et je lui demande, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il dit, je vais en Suisse. Tu vas en Suisse? Qu'est-ce que tu vas faire en Suisse? Ben, tu vois, en tant que prisonnier, j'ai le droit d'aller me reposer encore quelques semaines en Suisse. Alors, je dis, bon, ben, donne-moi le nom du colonel. Peut-être que je vais pouvoir partir en Suisse avec toi. Et c'est comme ça, voyez-vous, que je suis parti en Suisse avec René et que là, c'était l'armée, donc je devais être sous uniforme belge, hein, comme soldat belge. Et puis là, on avait droit à 8 jours de congé. J'ai pris mes congés dans la Suisse romande, la Suisse où on parlait français. Et c'est comme ça que un automobiliste qui était sur la route me dit, mais enfin, monsieur, vous êtes un soldat? Je dis, mais oui. De quel pays? De Belgique. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors, je lui dis, voilà, je suis ancien prisonnier. Et puis, vous avez été prisonnier. Mais venez. Et c'est comme ça, voyez-vous, les Suisses n'ont pas connu la guerre. Donc, ils étaient très curieux. Et c'est comme ça que j'ai pu faire, donc, mes vacances en Suisse, de chaque fois, de ville en ville. Et puis alors, je suis revenu à Bruxelles. Et là, j'ai dû commencer à survivre et m'orienter. Alors, voyez-vous, c'est ce que je dis toujours, il y a deux sortes de prisonniers rescapés des camps. Il y a ceux qui ne sont jamais sortis des camps. Quand je dis quand ils sont sortis des camps, c'est mentalement, donc, voyez-vous, je dis qu'ils ramènent tout à leur camp. Toute leur vie. Ils se sont mariés, ils ont des gosses, mais voyez-vous, je vous donne un exemple, par exemple. Eh bien, leur femme fait à manger, hein, fait un potage. Alors lui, l'ancien rescapé, il mange sa soupe, il dit, ah, ça c'est de la soupe au moins, c'est pas comme la soupe à Auschwitz. Donc, il ramène tout au camp. Et oui, il y a ceux qui sont sortis du camp. Moi, je suis tout à fait sorti du camp et j'ai fermé les portes derrière moi. Parce que, voyez-vous, je devais faire ma vie. J'avais personne, moi.
J'étais tout seul, puisque mon père a quitté Varsovie donc, en 1920, et puis c'est tout. Donc, et de Paris, il est venu à Bruxelles. Donc, je veux dire que je n'avais pas d'autre famille que ma famille. Donc, voyez-vous, je devais faire ma vie. Et c'est comme ça que j'ai fait ma vie familiale en épousant Nelly, et puis j'ai fait les enfants, etc. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Je ne savais pas quoi faire. Alors, comme je savais dessiner, j'ai été à l'Académie des Beaux-Arts et j'ai demandé au directeur qu'est-ce que je peux faire avec ce que je sais faire. Donc, et alors, il m'a dit, bah, écoutez, faites de la réclame. La réclame, c'était le début de la publicité. Et c'est comme ça, voyez-vous, que je me suis lancé dans la publicité à l'époque. Maintenant, il y a des écoles de communication. C'est beaucoup plus facile, voyez-vous. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc, les quelques agences qui existaient avant la guerre, elles étaient parties aux États-Unis. Et puis, elles sont revenues avec des budgets en 60. Mais il n'y avait pas d'école de communication. Donc, ils devaient former les jeunes qu'ils allaient eux-mêmes engager. Et moi, je me suis inscrit dans cette école du cours du soir, étant déjà marié, des gosses, etc. Moi, je travaillais en imprimerie. Pas comme imprimeur, hein, comme maquettiste de revue. Donc je dis que c'est moi qui faisais le... Parce que tout se fait maintenant sur ordinateur, voyez-vous. Je dis que ce sont deux périodes totalement différentes de la vie. Maintenant, tout l'ordinateur est partout, etc. Donc, je dis que... Donc et c'est comme ça que j'ai démarré dans la publicité. Et puis alors, j'ai été engagé dans une agence de publicité. Et là, ils avaient comme budget les grands magasins à l'innovation. Je ne sais pas s'il y en a au Luxembourg, des magasins à l'innovation. Enfin, ce sont des grands magasins, quoi. Et puis là, je faisais tout, les affiches, les annonces, les prospectus, etc. Et puis un jour, l'agence perd ce budget et il y avait une autre chaîne de grands magasins en Belgique, les Bon Marché. Et puis alors, bon, j'ai été voir le Bon Marché. Mais là, je m'étais mis à mon compte. Et puis alors là, ils m'ont commencé à me donner du travail le soir. Et puis alors un beau jour, les vaccinaires, les patrons m'appellent, me disent « Est-ce que vous pouvez prendre un budget encore en plus ?» Je dis « Mais oui ». Il dit « Voilà, nous venons de créer avec les Américains, nous allons importer une des idées américaines. » Et ils allaient lancer les premiers hypermarchés. Et c'est comme ça, ils m'ont demandé de faire la publicité de ces hypermarchés qui s'appelait à l'époque le GB, puis s'appelait les Carrefour. Je crois que les Carrefour, il y en a. Hein? Donc, et ben voilà, c'est moi qui ai fait, en Belgique en tout cas, qui ai fait le lancement de tous les Carrefour. Et comme ils étaient associés avec les Américains, ils ont aussi importé l'idée de faire des bricocènes, des autocènes, des gardescènes, et je faisais le lancement de tout ça. Et j'ai fait jusqu'au dernier lancement. C'était, je ne sais pas si ça, s'il y en a comme ça au Luxembourg. Ce sont les restaurants Quick. Il y a des restaurants Quick. Et ben, j'ai fait le lancement publicitaire de. C'est pour vous dire que sur le plan de la publicité, j'ai mis pas mal d'années non plus à devenir quelqu'un, donc à redevenir un homme. Mais j'ai plus jamais parlé des camps. Ce n'est qu'en 87. Ma sœur, voyez-vous, qui n'a pas eu le même parcours que moi, elle s'est mariée très tôt, à 17 ans. Et puis alors, avec un monsieur plus âgé, qui lui a fait deux enfants. Puis elle a divorcé, elle s'est remariée avec un autre monsieur, qui a de nouveau fait deux enfants. Et puis elle a dit, bon, je vais vivre avec mes deux derniers fils. Et ce n'est qu'en 87 qu'elle a eu un drame. Elle a perdu son plus jeune fils de 18 ans qui est mort en voiture. Alors, elle a été à la Fondation Auschwitz à Bruxelles, où elle était membre. Elle dit, voilà, donnez-moi quelque chose à faire. Je dois me changer les idées. Alors, elle dit, oui, d'accord. Tu vois, là, il y a la cellule qui fait le voyage à Auschwitz. Tous les ans, à Pâques, il y a un voyage. Une centaine de personnes, des enseignants, des écoles, etc. Et puis, tu viens avec nous. Alors elle dit, comment? Vous voulez que je retourne volontairement à Auschwitz où on a assassiné mes parents et mon jeune frère? Jamais. Alors elle m'en parle.
Et je lui dis, mais enfin, si nous y allions tous les deux, parce que tu vois, nous n'avons pas de lieu ici, en Belgique, pour nous recueillir sur la tombe de nos parents. Nous ne savons pas où ils ont disparu. C'est quand même là-bas, à Auschwitz, que notre famille a été détruite. C'est là que tu as vu pour la dernière fois ton papa et ton jeune frère. C'est là que j'ai vu pour la dernière fois ma maman en descendant du wagon. Je ne l'ai plus jamais revue. C'est là que nous devons aller. Et c'est pour ça que nous avons fait ce voyage. En 87, c'est la première fois que je retournais volontairement à Auschwitz. Et puis, voyez-vous, à cette époque-là, il y avait quand même encore une douzaine de rescapés. Ils étaient tous là, et comme ici, vous, vous avez... Voilà, hein, questions-réponses, il y avait beaucoup plus de questions que de réponses, parce qu'ils étaient en plein sur le lieu, ils venaient d'avoir visité les camps, etc. Et alors, bon... nous n'avons fait que pleurer. Et puis quand le dernier jour, il y a un enseignant qui dit, mais enfin, vous êtes aussi un rescapé, pourquoi vous ne répondez jamais à nos questions? Alors il dit, mais tant s'adresse à toi, on m'a poussé devant. Et j'ai dû répondre. Alors j'ai improvisé, j'ai répondu. Et quand je suis rentré, les responsables de la Fondation Auschwitz m'ont appelé et m'ont dit, mais monsieur Sobol, vous parlez bien. Pourquoi vous n'iriez pas dans les écoles? Pourquoi? Mais qu'est-ce que j'irais faire dans les écoles? Je ne suis pas enseignant. Non. Mais vous devez expliquer aux jeunes ce que les camps de concentration et les camps d'extermination ont été. Parce qu'on ne sait jamais. Les jeunes, c'est l'avenir. C'est vous l'avenir. Et tout dépendra, bien sûr. Qui vous mettrait à la tête de ce pays ou des pays européens? Et qu'est-ce que ça deviendra s'il y a un deuxième Auschwitz? Parce que voyez-vous, Auschwitz n'est pas un petit camp, c'est un projet industriel. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. À la conférence de Wannsee, conférence secrète des SS, où ils ont décidé de la solution finale. C'est là qu'ils ont décidé l'extermination totale de toute une série de peuples, de personnalités, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les témoins de Jéhovah. C'est là qu'ils ont décidé ça. Et ils ont décidé que ce sera à Auschwitz, le lieu d'extermination. Il fallait les effacer de la terre. C'est ça, voyez-vous, Auschwitz. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est un projet industriel. Tout a été calculé, un business plan. Ils ont fait tout ça. Ils ont pris les meilleurs spécialistes dans tous les domaines pour exterminer des gens. Mais moi, je comprends toujours pas comment ça a pu être possible d'amener des femmes et des enfants et des bébés de toute l'Europe simplement pour les gazer et les brûler. Je ne le comprends toujours pas. Voilà. Moi, je crois que j'ai rempli mon devoir aujourd'hui. S'il y a encore des questions, je suis à votre disposition. J'ai encore une dernière question. Est-ce que vous avez connu Georges Samprin et lu... Alors, voyez-vous, bon, je suis resté debout. Hein. Je ne suis pas fatigué, vous savez. Mais il n'y a pas de miracle non plus à 91 ans. Hein. Vous savez pourquoi? J'étais toujours sportif. Mais enfin, je n'avais jamais fait de sport de contact, hein, comme le football, le basketball. Je ne supportais pas, venant de la foule, hein, des milliers de prisonniers, on était toujours enserrés, etc. Je ne supportais plus le contact de la foule. Ben alors, quoi? J'ai fait de la gymnastique.
J'ai fait de la natation. J'ai découvert en 1955 la plongée sous-marine. Je suis devenu un très grand spécialiste de la plongée sous-marine parce que j'ai été un petit peu plongé dans le monde entier. Mais surtout, vous voyez, à mon âge, je fais tous les matins, mais tous les matins, une demi-heure de gymnastique. Il faut se tenir en forme, voyez-vous. Et je termine tous les jours entre 50 et 60 pompes, tous les matins. Ce n'est pas un miracle, hein? Non, non. C'est un entraînement. Parce que, voyez-vous, j'ai des muscles. Si je n'avais pas de muscles, je ne pourrais pas le faire. Et puis, voyez-vous, j'ai un vélo d'appartement. Je fais tous les soirs une heure de vélo, quand je suis chez moi, bien sûr. Donc, c'est comme ça, voyez-vous. Mais devant la télévision, c'est facile, hein? Vous ne voyez pas le temps passer. C'est comme ça que vous pouvez vous tenir en forme, voyez-vous. Je ne suis pas un surhomme, voyez-vous. Simplement, j'ai la volonté. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, c'est de commencer très jeune, d'avoir de la volonté. Parce que je suis convaincu que tous, vous avez quelque chose dans votre trip. Vous devez avoir la volonté d'aller le chercher. Moi, je l'ai découvert dans les camps. Je n'avais pas demandé d'aller dans les camps. Pourtant, c'est là que j'ai compris comment survivre. Pas seulement, il y avait la petite photo, bien sûr. Mais je veux dire que essayer de risquer des choses. Parce que voyez-vous, dans ma vie professionnelle, que je pourrais vous parler pendant des heures, parce que j'ai créé une dizaine de sociétés. Donc, j'ai risqué des trucs. Je n'ai pas tout réussi dans ma vie. Mais un échec, ce n'est pas la fin du monde. Un échec, vous devez analyser l'échec. Comment ça se fait que j'ai eu cet échec? Pour ne pas refaire les mêmes fautes, les mêmes erreurs. C'est comme ça, voyez-vous, qu'on peut se construire. Ce sont des trucs que je vous donne. Chacun dans votre métier, vous allez pouvoir réussir quelque chose. Si vous avez la volonté d'aller jusqu'au bout de votre idée. Parce qu'il ne faut pas seulement dire « Ah, j'ai une idée ». Tout le monde peut dire « J'ai une idée ». Mais vous n'avez que l'idée pour la réaliser. Vous savez, ça peut prendre du temps. Donc, il faut tout analyser pour réussir votre projet. Voilà. C'est ce que je vous souhaite, en tout cas. Excusez-moi. Non, non, je ne connais celui-ci. Est-ce que vous dessinez toujours? Comment? Vous dessinez toujours? Aujourd'hui? Je ne les dessine plus pour la bonne raison que j'ai un problème de la main droite, mais que de toute façon, puisque j'ai créé une société, moi j'avais les idées et j'ai engagé des gens qui dessinaient mieux que moi. Mais moi j'avais les idées, je suis un homme d'idées surtout. Donc je faisais les projets, c'était des refs, hein, des refs. Et puis alors, la mise en œuvre était faite par des spécialistes, etc. Mais maintenant, vous savez, vous dessinez sur ordinateur. Vous êtes assisté, voyez-vous. Il faut d'abord bien connaître l'informatique avant de dire « je sais dessiner ». J'ai une question. Est-ce que vous connaissez Georges Semprin et
par maladresse, est-ce que vous avez aussi lu son livre ? Si vous voulez répéter, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas entendu ici. Je voulais vous demander si vous avez connu Georges Samprin et si vous avez lu son... J'ai lu Georges Samprin, mais je ne le connaissais pas. Vous savez, c'est comme on me pose la question, tiens, vous n'avez pas connu Lévy, vous n'avez pas connu tous ceux qui... Non, je vous dis, vous savez, quand vous êtes là dans un camp où il y a entre 15 000 et 18 000 prisonniers, vous savez, c'est la masse. Et alors, quand vous revenez, c'est finalement peanuts. Hein. Vous savez que mon premier enregistrement qui a été fait, c'est la première fois que j'ai été, donc j'ai parlé vraiment et qui a été enregistré, c'est Spielberg qui avait fait son film La liste de Schindler. Vous savez, Spielberg est d'origine polonaise aussi, mais il est américain, il est né aux États-Unis d'ailleurs. Et ce film a eu beaucoup de succès, il a gagné beaucoup d'argent. Avec tout cet argent, il a fondé une fondation à Washington. Et il a envoyé dans le monde entier des psychologues et des caméramans pour faire le maximum d'enregistrements de rescapés des camps, en disant qu'il y aura un jour quelqu'un qui dira que ça n'a jamais existé. Et il a fait comme ça 50 000 enregistrements. C'est énorme, hein, 50 000, vous vous rendez compte, de 50 000 rescapés des camps. Moi, je dis que c'est énorme, non. C'est sur 6 millions. Alors, ça relative tout à fait tout. Hein. 50 000 sur 6 millions, ça ne fait même pas 1% de rescapés. Et moi, j'ai fait la première fois mon enregistrement comme ça. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Et puis, j'ai reçu des cassettes vidéo, pas de DVD comme aujourd'hui, des cassettes vidéo. Et j'ai fait des copies de ces cassettes vidéo que j'ai données à mes enfants et à mes petits-enfants. C'est comme ça, voyez-vous, qu'ils ont connu mon histoire par moyen de communication moderne. Et un jour, il y a de ça 5 ou 6 ans, mes enfants m'ont dit, on t'accompagne à Auschwitz. Mon fils qui vit en Égypte, dans le Sinaï depuis 82, est venu avec sa fille. Et puis ma fille est venue avec ses 2 enfants, etc. Ils m'ont accompagné à Auschwitz. Parce que jamais je leur avais parlé en dehors du fait que je leur avais donné ces cassettes vidéo. Et moi, j'étais mal à l'aise, voyez, parce qu'ils m'ont connu quand j'étais quand même déjà un homme, redevenu un homme, et qui avait réussi sa vie. Comment leur expliquer ce que j'avais été dans les camps? C'est comme ça que mes enfants sont au courant de tout. Ils sont assez fiers de moi parce que... Je ne sais pas pourquoi, mais ils se disent que tu fais un bon boulot, ils m'ont dit. Et je crois que je fais quand même un bon travail. Peut-être que vous réfléchirez au fait que vous m'avez rencontré un jour. Et ça vous ferait réfléchir. C'est tout ce que je demande. Et si un jour vous avez l'occasion d'aller à Auschwitz pour voir, parce qu'il faut voir ce qui est, et essayer de comprendre sur place ce qui est quelque chose d'incompréhensible, alors là, vous vous poserez d'autres questions. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sobol, pour cette histoire émouvante. À la sortie, vous aurez l'occasion donc de découvrir la brochure que les élèves qui sont partis à Auschwitz cette année ont pu réaliser. Donc, n'hésitez pas à vous servir en sortant,
Qui plus est, Monsieur Sobol procédera aussi à quelques dédicaces de son livre, donc n'hésitez pas non plus à passer. Donc, encore juste un dernier merci, un merci tout particulier, bien sûr, à tous ceux qui ont pu rendre ceci possible, un grand merci à la direction, un grand merci au personnel technique, un grand merci à Monsieur Paul Sobol, et bien sûr, un grand merci à tout ce public très présent et très nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup.